Salut! Ça va bien? Ben, ça va et toi? Eh, le nouveau modèle de chez Roland, le iHelix 705, c'est pas facile à dire. En plus, je suis un peu enrhumé. Excusez-moi. Alors, iHelix 705, c'est un nouveau produit arrivé de chez Roland. Là, on est vraiment dans un modèle qui ressemble de plus en plus à un piano droit, un vrai piano acoustique, hein, avec le beau support partition qu'on peut relever allègrement. Voilà une console magnifique. On a toujours la possibilité de pouvoir la cacher, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus classique. Vaut mieux passer de l'autre côté. Voilà. On a amplification ici, forcément, et on a aussi amplification en dessous. Donc on est vraiment immergé dans le son. On a vraiment une sensation de jouer devant un piano comme un piano droit. Même si la majorité des sons qu'on va avoir dedans, ce sont des sons de piano à queue, hein, comme celui-ci. Voilà, alors, je ne vais pas vous passer tous les sons parce qu'il y en a quand même une vraie quantité. Et toujours avec la qualité du toucher Roland, hein, avec l'échappement, hein, chose que j'aime beaucoup, beaucoup. On est vraiment encore une fois, sur un toucher proche d'un piano acoustique. Et avec tous les avantages qu'on peut avoir sur un piano numérique, à savoir bien sûr l'écoute au casque, la possibilité de pouvoir piloter tout ce bel appareil avec un smartphone ou une tablette, avec différentes applications, qui sont des applications gratuites. C'est bien de le souligner parce que ce n'est pas toujours le cas. On a des sons de piano Rhodes. Vraiment super bien. Toujours les sons. On a des sons, forcément tous les sons d'orgue également. On a toujours les sons de piano droit. Sonorité de piano droit, et on a également le son du piano forte, donc l'ancêtre du piano. Hein, petite leçon d'histoire, c'est le piano forte, c'est arrivé entre le clavecin et donc le piano moderne tel qu'on connaît actuellement, donc avec un son un peu plus clinquant, un peu plus sec. Du mal à passer mon bac. Voilà, enfin bon, différentes sonorités, des registrations également, possibilité de s'enregistrer bien sûr à l'intérieur enfin, sur la mémoire interne du piano, et également la possibilité bien sûr de pouvoir s'enregistrer à partir de la tablette ou du smartphone, donc avec cette application. Donc c'est un instrument que moi je kiffe vraiment, 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 vraiment. Parce que ben, je trouve que ça sonne, que c'est joli, que c'est beau, que c'est magnifique, voilà, je ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir le même chez moi.